Nous disons que c'est une stratégie, certes, mais c'est une volonté manifestée de sensibiliser, d'informer les populations. Et vous savez que dans ce cadre-là, la population estudiantine joue un rôle primordial dans l'éveil des consciences des populations. C'est la raison pour laquelle nous avons cette rencontre aujourd'hui au niveau de Jiguinchor avec celui qui a été investi au niveau de la coalition Ndawi Askanoui, Alternative du Peuple, tête de liste, en l'occurrence Camara, ici présent, et pour rencontrer les jeunes de la coalition Ndawi Askanoui, mais surtout les jeunes de Burabé, les sensibiliser, les outiller pour qu'ils puissent descendre sur le terrain et aller porter la parole de la coalition, la parole de la liste Penthioum Nawle. Oui, c'est parce que tout simplement nous disons qu'il est temps qu'on fasse la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est-à-dire que nous disons qu'il ne sert à rien de transporter des militants, d'organiser des méga-meetings avec des gens qui sont transportés de tous bords et les mêmes personnes. Si vous regardez les images de ces gens-là qui mobilisent, faites tourner la caméra, vous verrez que ce sont les mêmes personnes que vous allez voir dans des zones distinctes. Nous pensons aujourd'hui que la législature, l'Assemblée nationale, c'est une question de peuple. Et ce peuple-là, il faut aller le trouver dans les recoins et coins du pays. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut entrer dans les maisons, aller faire le porte-à-porte, sensibiliser, informer et recueillir les propositions des populations par rapport à ce qu'ils attendent de la législature. Parce que nous pensons aujourd'hui que le député que nous devons investir sur la liste Penthioum Nawle, c'est un député du peuple. Et la liste, c'est vraiment une liste de Nawle.